La superstar ghanéenne Magic Michelle est annoncée pour la 23e édition du festival Écran Noir du 13 au 20 juillet prochain à Yaoundé. Thomas Guidjol, celui-là qui a incarné le rôle principal dans le film Le Crocodile du Botswana, sera également aux Écrans Noirs avec Blik Basik. Vous êtes sur le JT Écran Noir 2019. Je rappelle que vous êtes sur le JT Écran Noir 2019, le magazine qui vous fera vivre les meilleurs moments de la 23e édition du festival Écran Noir. Dans le film, Le Cœur d'Alzheim, elle incarne le rôle secondaire. Elle sera présente aux Écrans Noirs grâce à deux productions. Otage d'amour, une série télévisée réalisée par Ebenezer Kepombia, connue sous le nom de Mitumba. Elle, réalisée par Thierry Kamdem, qui est un court-métrage. Il s'agit bel et bien d'une pépite du cinéma camerounais. Très belle, ravissante, mais surtout très talentueuse. Salut, je m'appelle Octavine Pondo et je suis actrice de cinéma. Alors, quand Elle de Thierry Kamdem a été sélectionnée au Festival Écran Noir 2019, ce fut une immense joie pour toute l'équipe parce que c'était une opportunité de montrer ce film au public qui est à caractère... C'est un film engagé. Et ce film parle des violences faites aux femmes en Afrique, dans les foyers. Et c'est un thème vraiment à prendre au sérieux parce que nous devons briser le silence. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans ce traumatisme-là, dans cette psychose-là, et qui refusent d'en parler par peur des représailles, parce que leur bourreau est tout le temps en train de les réduire au silence. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont dans cette situation et qui pensent être seuls et qui pensent que le public ignore. C'est l'occasion pour vous, très chers cinéphiles, d'aller en salle et découvrir ce film. C'est très important. Tu ne vois pas que nous sommes dans une foutue prison? Tu ne comprends rien. Tu ne comprends pas, ma fille. Tu ne comprends rien du tout, maman. Comment as-tu pu la laisser t'isoler de ta famille et de tes amis, maman? Je ne comprends, je ne demande qu'à comprendre. Ton père nous aime toutes. Déjà, ce fut un immense plaisir pour moi d'avoir incarné ce personnage parce que j'avais jamais eu l'occasion d'incarner un personnage qui souffre physiquement et mentalement. Nous vivons dans un monde où les réalités dans les toits sont vraiment dissimulées au grand public. Nous avons par exemple des femmes qui vont vous dire « mon mari me bat, je suis maltraitée ». On compatit à leur souffrance, mais on ne peut pas ressentir ça. Alors, elle m'a donné l'occasion de rentrer dans l'intimité de cette famille, la famille Yaki. Et je vous assure, ce n'était pas du tout agréable, pas du tout agréable. Mon personnage, Samira, c'est une fille très intelligente, mais qui est traumatisée. Elle est traumatisée par les violences qu'elle subit et elle aimerait que ça change. Et le pire dans tout ça, c'est que sa maman, elle ne dit rien. Bon, je peux comprendre parce qu'elle a longtemps vécu dans cette situation-là. Elle a habitué. Et si elle reste là, c'est bel et bien en fait pour protéger ses enfants. Elle est obligée de subir à la place de ses enfants. Et maintenant, si ce film a été fait, c'est pour éveiller les consciences, inciter ces personnes qui vivent dans ces situations-là à briser le silence et à en parler. Parce que tout ça peut tourner au vinaigre et ce sera une perte.
Le tournage s'est super bien passé parce que à la tête de la maison de production PSC, nous avions Géraldine Ingondo qui a fait tout son possible pour que tout se passe dans les règles et bien. Les acteurs étaient bien entretenus. J'ai eu des partenaires de scène incroyables. Dans le rôle de mon père, il y avait Justin Fessy, ma mère, Marie Nonga et ma toute petite sœur Naomi Simo. C'était magnifique parce que sur le plateau, il y avait toute une équipe on avait une quinzaine de techniciens déployés et qui travaillaient à fond pour donner le meilleur, pour que le résultat soit parfait. Et je ne vais pas oublier Imolijo, le directeur d'acteurs qui nous a tous poussés pour qu'on puisse donner un jeu impeccable. Mon personnage, Samira, j'ai vraiment aimé l'incarner. Et rentrer dans la peau de ce personnage et vivre ce que cette petite fille vivait n'était pas du tout agréable parce que je me suis mise à la place de ces personnes qui vivent ça depuis des années. Moi, j'ai joué un film de 16 minutes et je vous assure, j'aimerais vraiment pas vivre ça. Samira, elle aimerait faire des choix. Et dans le film, elle annonce à son papa qu'elle a eu son BTS et elle est amoureuse, elle a un petit ami et elle aimerait vivre avec lui. Le problème, c'est qu'il est cuisinier. C'est là où tout part en vrille. Je vous assure, quand mon père m'a tenue par les cheveux, il m'a traînée dans le salon, il m'a traînée dans la cour, il m'a battue, il m'a enchaînée et il m'a foutue dans la cage. J'ai ressenti ça. Mon personnage était impuissant, donc du coup, moi, j'étais impuissante. Et c'était vraiment désagréable. Et j'imagine ces personnes qui vivent ça depuis très longtemps dans un silence et qui n'en parlent pas. C'est quelque chose qu'on doit dénoncer parce que dans la plupart des temps, les bourreaux vivent dans une impunité totale. Et il faut faire quelque chose. Et ce film, c'est pour inciter ces gens-là. Vous vivez dans des maisons, c'est bien beau. Quand vous arrivez à l'extérieur, vous faites comme si tout allait bien. Mais non, il faut en parler. Parce que le pire peut arriver, il faut en parler. Il faut que ça cesse. Très chers fans et cinéphiles, cinéastes, je vous invite massivement à venir découvrir ce film. C'est un film sensationnel et un film qui traite d'un sujet très important. Nous avons une voisine qui souffre, des enfants qui souffrent dans leur foyer et qui n'arrivent pas à en parler. Venez découvrir ce film, venez entrer dans l'intimité de ces gens qui vivent ces violences au quotidien. Les aider à surpasser ça, les amener à sortir de ce cocon. Allez en salle, découvrir ce film, vous n'allez pas être déçus. Et n'oubliez pas de me suivre sur ma page Facebook et Instagram, Octavine Pondo. Octavie Pondo, un nom à retenir, une actrice à suivre de très près. Nous passons à l'agenda pour la suite des films camerounais sélectionnés pour la 23e édition du festival Écran Noir. Encore un accident de trop dans la capitale. Un camion a perdu ses freins en descendant une colline au quartier Vogo et a fini sa course folle dans une maison en aval. Bilan provisoire, une quinzaine de morts et plusieurs blessés graves. Et on va visiter technique après. Maman, on est là. Bon, on est là, tu peux même m'ennuyer. Ah, mais ah! Ici, c'est pas un centre de santé. C'est là-bas qu'on établit le certificat médical sans voir les concernés. Le moteur est encore bon, hein? Mais qui vous a dit que ce n'est que le moteur qui peut avoir une panne dans un véhicule? Regardez vous-même l'état de vos pneus. Je vois qui fiale. On peut faire une bonne voix. On est ni bien.
venir m'aimer toute ta vie. Libère-moi! Vous avez gâté la vie de mon fils en changeant l'acte de mariage à son insu. Tu ne veux pas me faire de mal. Et qu'est-ce que je vais faire dans ta chambre? Ça veut dire que ma fille est retenue en otage par mon ami Mustapha. Les années où je te respectais comme une lionne respecte un lion sont révolues. Et tu oublies que même le cadavre d'un lion fait peur. Tu m'as courtisé de ton propre chef. Je suis tombée follement amoureuse de toi. Je suis même devenue accro de toi. Et aujourd'hui, tu veux m'abandonner? Non. Tu vas vivre sous le même toit avec moi toute ta vie. Que tu le veux ou non. Faites quelque chose pour stopper cette femme. Elle a mis tout en œuvre pour m'éliminer. Monsieur le maire, nous devons mener cette enquête jusqu'au bout. Et rassurez-vous, les coupables seront sévèrement sanctionnés. Le seul homme que j'aime de tout mon cœur et qui est jusqu'ici mon mari, c'est Roland. Je te donne 2 jours. Je dis bien 2 jours. Pour décider de toi-même de consommer ce mariage. Sinon, je vais utiliser la force. Non, ne laisse pas de moi. Tu ne vois pas que nous sommes dans une foutue prison? Tu ne comprends rien. Tu ne comprends pas ma fille. Tu ne comprends rien du tout, maman. Comment tu peux la laisser t'isoler de ta famille et de tes amis, maman? Je ne comprends, je ne demande qu'à comprendre. Ton père nous aime tous. Oui, à sa manière. C'est pour cela qu'il se conduit ainsi. Tu devrais le comprendre. Tu dois l'accepter, l'aimer. C'est ton père après tout. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas, ma fille. Papa n'est pas malade, c'est juste qu'il est un peu triste, tu vois. Regarde ce qu'elle m'a fait. Tu te conduis comme si j'étais responsable de tout ça. Mais je suis sûre qu'il viendra. Il a tellement changé. Ma chérie, ton mari, c'est la merde. Je sais que ça paraît un peu tiré par les cheveux, mais je pense qu'elle n'est pas nette. What are you doing? What going on? Où est mon fils? Ne lui fais aucun mal. Ne lui fais aucun mal. J'ai dit appeler après que vous soyez parti. La photographe. Mon bébé. Et on est mieux servi dans vous laissant sur le pont. Mais retrouvez-la. Ça nous aide pas tout ce que tu fais là! Junior! Mais restez sur place, bordel! Il a besoin d'une femme forte.
Festival Écran Noir 2019 is the place to be du 13 au 20 juillet à Yaoundé. Nous avons rencontré Patrick Timber, réalisateur du film Elle ou lui, en compétition dans la catégorie court-métrage aux écrans noirs, qui nous parle de son film. Moi, c'est Patrick Timber, réalisateur scénariste. Et je suis ici pour vous parler de mon dernier court-métrage, Elle ou lui, qui est en compétition officielle aux écrans noirs 2019. En fait, c'est une question de sensibilité humaine, rejet de la société par des personnes aux formes génétiquement étranges, des personnes qui n'ont pas voulu naître ainsi, et dans la providence ou la nature ou bien Dieu hein, a fait comme elles sont. Donc c'est l'histoire d'une ou d'un hermaphrodite et qui subit le rejet de la société, la persécution dès sa naissance jusqu'à vouloir mettre fin à ses jours. C'est un film pour essayer de conscientiser, pour essayer de sensibiliser que personne ne décide de naître avec une morphologie telle que celle-là et que ces personnes ont des difficultés à s'accepter dans la vie en société. Et il faudrait que la société puisse être de plus en plus très accessible à comprendre ce phénomène. Car je l'ai tutoyé un petit peu. C'est ce qui m'a donné l'idée de ce film. Ça m'a pris un an pour faire le casting. Ça m'a pris un an. Je suis allé de tel à tel. J'ai vite cité les noms. Mais par contre, au dernier moment, je me suis accordé avec l'actrice camerounaise internationalement connue, Cindy Emadé, qui a accepté de jouer ce rôle. Et qui pour elle était un challenge au vu de ce qu'on a l'habitude de la voir dans ses derniers films. Donc elle a trouvé ça bien que ce soit un challenge pour elle. Donc après plusieurs séances de discussion, nous sommes tombés d'accord que c'est elle qui prendrait ce rôle principal, le rôle de Lobé, l'hémaphrodite. Ensuite, il y a eu Damo Damaris, une jeune dame que j'apprécie aussi énormément, très bonne actrice. Et oui, voilà, sans oublier qu'il y a eu un prix aux AFA dernièrement. Et j'ai aimé son abnégation dans le travail. Et ce fut un tandem très bien entre Cindy Emadé et Damo Damaris. Et je l'avais vu, Damaris, déjà dans une série de Anna John Scott, si je ne me trompe pas, Samba. Et j'étais captivé par l'aura qu'elle a quand elle joue. Donc le tandem était bien. Ensuite, dans la continuité, il me fallait un papa qui était dans la logique de Cindy Emadé, parce que c'est une continuité enfance, adolescence et vieillesse. Donc j'ai pensé à Kanya Cohen, qu'on ne présente plus d'ailleurs, donc qui a incarné un papa vieilleux qui ne comprend pas comment est-ce que sa femme a pu lui donner naissance d'une telle abomination. Donc c'est un peu là. Ensuite, dans le rôle de la maman dans le passé, Onyema Laura, avec qui c'était la deuxième fois que je la mettais devant ma caméra après mon film Leçon en 2017. Donc ce quatuor d'acteurs a été très bénéfique pour moi parce que d'abord ils sont très talentueux, je dirais la crème ici au Cameroun. Et ensuite très ouverts et très compréhensifs sur les plans de difficultés qu'on peut rencontrer sur des plateaux de tournage. Je vous assure, si vous leur demandez inbox certaines choses, ils vont même vous dire qu'on déteste Patrick Timber. Mais bon, ça reste
Ça reste dans le showbiz, ça reste dans le travail, ce sont des personnes très professionnelles. Donc voilà un peu comment s'est passé le casting de ces quatre acteurs. Confiant. En fait, quand on part dans une compétition, on espère toujours la remporter. Ça, c'est une vérité, je ne dirais pas non. Mais ma première victoire, c'est d'être parmi les films sélectionnés. Et ma deuxième victoire, c'est que le public puisse voir le film. Maintenant, il y a de très beaux courts-métrages qui ont été aussi sélectionnés. Je fais comme ça un clin d'œil à mon ami Gabi Ruben Gounou, dont je connais un peu l'histoire du scénario. Donc, ça ne sera pas facile. Mais bon, comme en 2017, on donnait le son et Hans, les favoris pour le trophée final en court-métrage, et ça n'a pas été le cas. Donc je dirais que c'est à la sensibilité des membres du jury. Donc s'ils sont touchés par le film, l'histoire et la sincérité du jeu de mes acteurs, pourquoi pas remporter ce prix. Il ne s'agit pas seulement de Elle ou lui, il s'agit de beaucoup d'autres films. Trauma de Cynthia Elisabeth, Ngono qui est en compétition, Un couple, un destin de Gabi Robin Gounou, 13 minutes chrono de O'Neill Nelrose, pour ne citer que cela, j'oublie Second Life de Michel Poimon. Donc ce sont des films, entre autres, qui sont assez intéressants. Donc j'inviterai massivement le public à être présent, par curiosité d'abord, aller en salle. Les sélections des films court-métrage camerounais, que ce soit long-métrage camerounais, c'est une très belle sélection pour avoir lu certains scénarios bien avant la production ou bien pour avoir déjà été proche de ces productions, pour avoir vu le travail final. Je pense que ça sera très bénéfique et une très grande joie pour ces cinéphiles qui viendront. L'acteur ghanéen Magic Michel, connu sous le nom de Sami, l'acteur camerounais Thomas Guidjol. Blik Bassi sont tous attendus pour la 23e édition du festival Écran Noir du 13 au 20 juillet à Yaoundé. Et sur ce, très chers téléspectateurs, nous vous disons au revoir. Prochain rendez-vous demain sur votre télévision préférée. Et nous disons merci à Jean Clignotant qui a assuré la réalisation de ce programme. Bye bye.